Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du jeu Demon Slayer. On va aller très très vite parce que ceci est un grand scandale, un énorme scandale même, et un énorme drame pour les streamers. Pour les streamers, du coup, tout ce qui est en relation avec Lilian Institute, Sofiane Le Geek, Alpix, Fufu, Dracogacha, ce que vous voulez. Enfin bref, on rentre dans le sujet. Si vous suivez un peu les informations sur Twitter, on est parti débattre hier concernant un certain problème, hein. Ceci est la deuxième partie du problème. Je vais tout mettre dans la vidéo. Tout mettre, elle va durer plus de 20 minutes, c'est pas grave. On est dans tout cas. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est très 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 chaud. Du coup, on n'a pas le droit de stream le jeu. On n'a pas le droit de faire du contenu sur le jeu. On a le droit de rien faire sur le jeu. Ils nous préviennent au moment où le jeu sera disponible bon, du coup, le 13 octobre. Ils nous préviennent 3 jours à l'avance. C'est cool. Et d'ailleurs, ce PDF n'est disponible que pour certaines personnes qui ont plus de 100 000, on va dire plus de 50 000 abonnés. Ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont moins de 50 000 abonnés n'ont pas reçu ce PDF concernant les règles et les restrictions de ce petit jeu, enfin un grand jeu. Je n'ai jamais vu en l'espace de ces 5 dernières années un problème aussi énorme concernant la publication de contenu sur un jeu, que ce soit sur mobile ou console. Je n'ai jamais vu ça. Sur stream, on n'a pas le droit enfin sur Twitch, on n'a pas le droit de stream. Et sur l'autre jeu, on n'a pas le droit de stream. C'est un truc de fou furieux, les gars. Que dire? C'est un drama énormissime. C'est. Ok, ben ok. Ok. On achète un jeu à l'avance. 70 euros. Entre 50 et 70 euros pour la version de luxe. Pour qu'à la fin, on n'ait pas la possibilité de vous partager l'expérience. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Il y en a beaucoup qui attendent. Mais le problème, les amis, le problème, c'est que. On va aller ici. On va aller ici. Oh là là. On va aller ici. Oh là là. Alors, il est où? Il y avait quelqu'un qui avait publié. Voilà, il est là. Comment? Lui? Se permet? Comment lui se permet de publier des informations sur le jeu? Il a stream pendant plus de 6 heures et ne s'est pas fait ban. Quelle est la différence entre lui et des streamers à plus de 10 000? Regardez le nombre de vues qu'il a tapé sur ces 4 derniers jours. Enfin, sur ces 2 derniers jours. C'est complètement débile. Normalement, il devrait recevoir l'avis, enfin la restriction, le bannissement directement. Mais non. Ok. Nice, c'est cool. J'ai jamais vu ça, les amis. On avait prévu un truc de fou, que ce soit sur des projets de tournoi, des plus gros projets de concours, des projets de live, des débats et tout, pour qu'à la fin. On nous fasse ça? Mais les gars, s'il vous plaît, ces gars, Aniplex, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? N'importe quoi. Ben, les gars, désolé, hein. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Nous, on n'y peut rien. Enfin, personne, on n'y peut rien. Ça peut changer dans un futur proche. Mais ce qui est bizarre encore plus, c'est que ce PDF n'est pas disponible. Ce PDF n'est même pas disponible sur leur site. J'actualise toutes les heures pour voir s'il y a eu du changement sur leur site, mais rien du tout. News. On va dans News pour voir au cas où. On a rien non plus. Ça fait 15 jours, on n'a rien.
En plus de 15 jours, on n'a eu aucune nouvelle concernant les règles. Mais c'est cool, on n'a rien. On n'a rien. On va voir chez les Anglais. On va taper, je sais pas, Nagato. Nagato qui a de grandes chances de publier là-dessus. Mais là, déjà, chez Sufucre, Sofiane le Geek et. Lui, il n'a rien publié depuis, wow, depuis longtemps. Sufucre, Sofiane le Geek, Lilian. Bah, ok, lui, il n'a rien publié non plus. Parce qu'il comptait publier du Demon Slayer. Shiny. Shinigang, Shinizuka. Il a rien publié non plus. C'est. Bah en fait, on fait quoi? Bah on fait quoi? C'est une folie. C'est une folie, les gars. C'est. Regardez ce qui se passe, hein. Vous avez le droit de créer une unique vidéo de 10 minutes en utilisant le B-roll du mode histoire que nous avons fourni et une capture vidéo que vous avez réalisée avec l'un des modes de jeu versus uniquement, qui respecte les règles définies en page 3. Ou en mélange des deux. Vous avez l'autorisation de prendre des captures d'écran du B-roll du mode histoire. Aucune diffusion directe n'est autorisée. Toute publication concernant le mode histoire ne devra pas être diffusée en avec Tanjiro et le chapitre 8 du train de l'infini. Pour toute autre question, contactez la responsable qui vous a fourni ce guide. Pour ne pas inclure ou diffuser, vous ne pouvez pas inclure ou diffuser. Ok. Votre propre capture en mode histoire. Ok. Dans le chapitre, vous n'êtes pas autorisé. Quoi? Mais on peut rien faire. On peut rien faire. Tandis que vous testez le jeu, vous n'avez pas l'autorisation de partager des trophées ou des succès. PlayStation 4, hein. Mais c'est une folie! Mais c'est une folie! C'est une folie, les gars. C'est une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Bah ok, gros drama, gros. Mais ils vont changer. Ils n'ont pas le choix. Gros drame, gros scandale. Ben merci, merci Demon Slayer. Merci de nous faire vivre ces moments épiques. Ok. Ben voilà. Merci. C'est tout pour la vidéo. Ciao. Ciao, 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 ciao. Alors, je décale sur mon compte privé, hein. Parce qu'un dernier truc. Un dernier truc. Voilà. Là, ils nous disent qu'on a le droit de publier. Social le Geek qui partage les mêmes trucs que nous. Et qui nous autorise à publier les trucs. Ok. Ah là là, mais. On retourne sur la page de Kimetsu. Mais on est à deux doigts de se rembourser, hein. Et de se racheter le jeu au moment où on aura les autorisations pour filmer ce qu'on veut. Et que dire? Bon, ça sera tout pour la vidéo, sinon on va encore parler pendant 20 minutes. Ben, voilà, hein. Merci, 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 Sega et Aniplex. Sur ce, ciao, à la prochaine. Peace.